Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un événement secret sur Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors il faut savoir qu'à cet emplacement, donc à la cascade de la réalité, donc juste ici, il y a une cascade et derrière cette cascade il y a un mur avec 5000 milliards d'HP, donc il est quasiment indestructible. Alors en fait on peut pas le détruire, mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le détruire. Après c'est sûrement un bug, mais qui sera corrigé très prochainement. Alors cet événement en fait c'est tout simplement derrière ce mur de pierre en fait il y a trois personnages, donc il y a des personnages de l'ombre et de fantômes qui s'y cachent et en fait normalement ces personnages doivent détruire par eux-mêmes le mur, donc au fur et à mesure des semaines et des jours et des semaines qui vont passer, le mur va se détruire, ils vont réussir à sortir de ce trou à rats, donc je vais vous présenter ça après, et ensuite ils vont faire le tour de la map de Fortnite, donc ça deviendra des bots ou des PNJ sur Fortnite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un chasse-pierre pour vous montrer comment, qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur en fait tout simplement. Donc parfait, j'ai trouvé un chasse-pierre. Hop, je l'équipe à un véhicule, j'ai pas trop envie d'équiper sur ce véhicule là, mais bon j'ai que celui-là donc on va le faire. Hop, et là maintenant on va aller se diriger vers justement cet événement secret. Donc je vous l'ai montré, hein, c'est à la cascade de la réalité. Donc hop, vous passez par là. Ensuite, vous allez passer derrière la cascade. Voilà, par ici. Donc là, je vais laisser la voiture. Ah non, je l'ai fait tomber. C'est bon, j'ai pu remonter. Parfait. Donc je vais laisser la voiture là. Parce que le mur, en fait, en question, il est juste là. Donc ça c'est le mur en question que je vous disais, c'est le mur qui a 5000 milliards d'HP, donc on ne peut pas le détruire, mais quelqu'un a trouvé une solution sur Twitter pour le détruire, et en fait cette solution c'est de prendre une voiture avec un chasse-pierre, et regardez normalement, si je fonce dedans, ça devrait le détruire. Donc là je me suis un peu fail. Ah carrément ça a bloqué la voiture. Ah non, j'ai cassé la voiture. Je savais que j'aurais pas dû prendre cette voiture. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller prendre le bus là. Et je vais retourner à la cascade. Essayer de bouger la voiture. Mais après, je pense que le bus, il passera pas, quoi. Si ça passe pas, ben tant pis. Ah, je pourrais peut-être essayer avec le bateau aussi. Bon, on va déjà essayer avec la voiture. Avec le bus. Peut-être ça rentre, hein, en vrai. Ouais, donc déjà là, ça passe pas. On est déjà mal barré. Je vais essayer de passer à travers la cascade. Ouais, ça c'était sûr. Ah, c'est bon, je peux conduire? Non, je peux plus conduire. Si, c'est bon. J'ai réussi à récupérer le véhicule, parfait. Bon, on va essayer de manœuvrer correctement. Voilà, on va faire une petite marche arrière. Le but c'est que je pousse. Ah ben voilà, j'ai réussi. J'ai réussi, regardez. J'ai cassé le mur à 5 000 milliards d'HP. Et en fait, ça vous ouvre une nouvelle zone. Et dans cette nouvelle zone, il y a trois personnages qui s'y cachent. Donc regardez, il y a un personnage juste ici. Les analyses récentes semblent indiquer que je suis le dernier intrus à proximité. Alors on ne peut pas leur parler, hein. Il y a un agent de l'ombre et un agent fantôme. Et en fait, ces personnages-là, normalement, ils doivent sortir. Ils doivent eux-mêmes creuser leur trou pour sortir, et ensuite ils feront le tour de la map. Après je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, mais voilà, si vous voulez rentrer, c'est la seule solution pour y rentrer, pour l'instant. Ensuite il y a deux coffres, hein, je crois. Ah non, il n'y a qu'un coffre, parfois il y en a deux. Donc voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce petit événement secret. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. Moi je vous ai dit tout ce que je savais à propos de ce petit événement.
Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.